Alors, Jeanne et Jean, c'est un livre sur la peur. Sur la peur, en fait, la peur quand on est confortablement assis dans un fauteuil avec ses parents pour lire. C'est pas la vraie peur, j'ai pas envie de faire peur aux enfants. J'ai envie de leur dire, c'est amusant de se faire peur. Ça peut être amusant de se faire peur, à condition que ça soit quelque chose qui ne soit pas terrifiant, mais qui soit dans le registre de l'imaginaire. Et donc, c'est l'histoire de deux enfants, de lapins, de ces deux enfants, frères et sœurs, qui sont coincés dans la forêt et qui n'ont pas le temps de revenir chez eux, et qui se racontent, le frère raconte une histoire un peu inquiétante à sa petite sœur, et en lui disant qu'il y a un magicien dans la forêt qui habite là. Et quand, le lendemain matin, quand ils retournent chez eux, il y a des petites aventures dans la nuit. Et le lendemain matin, ils se font peur mutuellement avec les ombres. Et en fait, le magicien en question, c'est l'ombre d'un arbre. Et quand le soleil arrive, en fait, ça disparaît. Chaque fois, je me pose la question de comment je vais faire le livre. Et en fait, ça varie très peu, mais pour moi, ça varie beaucoup. Je fais beaucoup de recherches de techniques. Et puis, quand j'imagine que ça va, que je vais pouvoir faire comme ça, j'adopte cette technique. En général, c'est de l'encre et de la couleur. Ce qui varie, c'est plutôt la richesse des décors ou au contraire, par exemple, pour Loulou, c'était une volonté de faire le minimum, juste jouer avec trois couleurs primaires. Voilà. Et celui-ci, c'est différent, c'est des ciels, c'est des lumières plutôt. Comme c'est une histoire de lumière et d'ombre, c'est une histoire de couleurs, façon de faire sa couleur. Quand je dessine, je me fais plaisir. J'essaye de me faire plaisir. C'est difficile, c'est compliqué, mais disons que je ne pense pas au public enfant. Je pense faire le mieux possible au service de l'histoire que j'ai racontée. Et donc, comme je recherche beaucoup, je fais beaucoup de recherches sur mon dessin, je fais aussi de la photo, de la sculpture, etc. Je cherche un peu la meilleure façon de raconter cette histoire, sans tenir compte des enfants. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas aux enfants, je m'adresse à moi, enfant, si on peut dire. Et donc, du coup, je pense que les dessinateurs, les gens qui sont sensibles au dessin, ils trouvent du plaisir, peut-être, ou un intérêt quelconque, au-delà de ce que je raconte. Dans le dessin lui-même, c'est une espèce de recherche, parce que j'essaie chaque fois d'être un peu nouveau, de faire une toute petite avancée à chaque livre. Thank you.